Jean-Luc, c'est parti. Ah. Bonjour à tous et bienvenue sur GLH TV canal 86. Excusez-moi, j'étais en train de jouer au ninja, j'ai pas vu l'heure passer. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance avec un petit peu d'exercice de pieds-poings, enfin de poings surtout, un petit peu de travail du percute, un peu de travail direct. Je pense que ça va plaire aux cardio-boxeurs, mais aussi aux crossfitters, puisqu'on va quand même bien se renforcer et travailler l'ensemble de notre corps. On en a besoin quand même. Allez, c'est parti pour la présentation du matériel. Let's go. Hop là, ça y est, j'ai été chercher mon matériel. Aujourd'hui, pas besoin de beaucoup de matos. On a besoin d'une chaise. Si possible, à la maison, essayez de caler votre chaise contre un mur ou contre un meuble qui ne va pas bouger. Ça pourrait permettre que ça ne glisse pas. Moi ici, ça ne glisse pas, donc voilà. Je l'ai placé ici. Et de l'autre côté, j'ai mon petit tapis de sol dont on va avoir besoin, notamment pour l'échauffement, si besoin pour le confort. Vous voyez derrière moi, on a un compteur. Ça va vous permettre de suivre l'ensemble de la séance, puisque la séance est un petit peu particulière aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, avec quelques exercices de boxe. Et je vais vous accompagner sur l'ensemble de la séance aujourd'hui. Du coup, juste avant de partir, présentation de la séance en image sur votre écran. N'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, à envoyer l'image de votre téléphone directement sur votre télé. Je pense que ce sera plus facile pour tout voir. Donc, maintenant que vous avez vu la séance dans son ensemble, je vais vous détailler l'échauffement. Présentation des 5 exercices d'échauffement. Premier exercice, le Cossack Squat. Je vais placer mes pieds deux fois la largeur de mes épaules. Je vais venir ouvrir un pied, pointe de pied vers le ciel. Et de l'autre côté, je vais venir fléchir ma jambe. Bien évidemment, chacun fléchit jusqu'où il peut, que ce soit ici ou éventuellement jusqu'en bas. Si besoin, on pose les mains au sol pour plus de stabilité. Je remonte de l'autre côté et j'enchaîne pour faire mes 10 répétitions. Deuxième exercice, les jumping jacks. Je pars debout, pieds serrés, mains le long du corps. Et j'en viens ouvrir les jambes en sautant et placer les mains au-dessus de la tête. Troisième exercice, fente avec rotation. Lunges plus rotation. La rotation, c'est du côté de la jambe avant. Je reviens à mon point initial et j'enchaîne. 10 fentes en tout. Quatrième exercice, les bicycles. Je vais venir me placer sur le dos, sur mon petit tapis. Les genoux au-dessus du bassin, je viens décoller les épaules, seuls les lombaires sont en contact avec le sol. À partir de là, je vais venir placer les doigts au niveau des tempes, allonger une jambe et venir croiser le coude avec le genou opposé. Une répétition de chaque côté égale 1. On en fait 10. Dernier exercice, pardon, je vais rester au sol. Je vais venir tendre les jambes devant moi, me placer comme ceci sur les talons en serrant les fessiers. Le bassin est aligné entre les talons et les épaules. On aura une minute de maintien là-dessus. Pour ça, je mettrai le chrono, bien évidemment. Allez, du coup, on est parti pour l'échauffement. Je lance le chrono. J'espère que tu as préparé tout ton matériel chez toi. Ça démarre dans 10 secondes. C'est parti pour les 10 Cossack Squats. Prends le temps de bien descendre. On n'est pas pressé. Et 10. Derrière les jumping jacks. Allez, on démarre pieds serrés et on envoie. 3, 5, 7, 8, 9, 10. J'enchaîne directement avec les fentes. Avec rotation côté jambe avant. 3, 5, 7. Avant-dernière. Et 10. On enchaîne au sol avec les bicycles. Essayez de ne pas vous presser. On travaille de manière qualitative là-dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les lombaires en contact avec le sol. Je décolle les épaules, elles ne touchent plus le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Pardon, on reste au sol. Je vais regarder le chrono. 2, 1, on y va. On maintient ici. On ne laisse pas redescendre les fessiers. Et on respire. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais on va faire 3 tours. 3 tours d'échauffement. On va être bien chaud. Encore 15 secondes. Ok, c'est reparti pour un tour. Allez, d'abord les Cossack Squat, pied de poids à largeur des épaules, et j'enchaîne tranquillement. 1, 2, si besoin, on peut rester un petit peu en bas. 3, 4, 5, 6. 8, 9 et 10. Jumping jacks, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne les fentes. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je passe au sol sur les bicycles. Je vais essayer d'accélérer un petit peu sur le deuxième tour. Et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai envie de me relever trop tôt. Et on y va. Là, c'est le moment de respirer. Le cardio commence à monter un petit peu. On est sur la bonne voie. Parce que derrière, il va falloir envoyer sur l'ensemble de la séance. Je vais peut-être ralentir un petit peu sur le dernier tour. Je ne sais pas si je vais trop vite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si je vais un petit peu trop vite. Je ne ferai pas toujours les séances avec vous. Mais là, il me semblait que c'était opportun de vous accompagner. Encore 5 secondes. Ok. Allez, on envoie le dernier tour. C'est parti pour les Cossack Squat. Et 10, les jumping jacks. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les fentes. Grand pas en avant, genou au-dessus de la cheville avant.
5. 9 et 10. On passe au bicycle. Dernier tour. Sept, huit, neuf et dix. On termine par la planche inversée. Allons-y. On respire toujours. Il faut d'ailleurs respirer sur chacun des gestes. Je ne vais pas t'apprendre que respirer, c'est important. On est parti à 30. Il nous reste 40 secondes. Allez, on serre très fort les fessiers. Parfois, on n'est pas attentif et ça redescend un petit peu, on se relâche. Serrez au maximum, maintenez la contraction. Essayez de repousser un petit peu au niveau des épaules sans pour autant creuser le dos. J'espère que la séance d'hier avec les burpees vous a plu. Et que malgré tout, vous êtes encore là. Pardon, la séance d'avant-hier avec les burpees. 3, 2, 1. Ok. Allez. C'est bon pour l'échauffement. Là, ça va, moi j'ai chaud en tout cas. Donc on est bien parti. Là, on va passer directement au WOD. Le WOD, donc ça va être, il va être composé de 4 Tabata. Et en fait, il va y en avoir que 2. Premier Tabata, il va être composé de dips sur la chaise. Deuxième exercice de ce qu'on appelle le handstand roll, donc l'équilibre contre le mur, qu'on va faire sur un mur si vous avez la possibilité, non seulement physique, mais aussi la possibilité technique à la maison. Ou alors, on va pouvoir le faire sur la chaise. Je vais vous montrer comment ça se passe. Derrière, des squat jumps, donc flexion de jambe avec un saut. Et enfin, du squat avec maintien. Un Tabata, c'est composé de 8 phases de 20 secondes, avec 10 secondes de pause. Là, je vous ai présenté 4 exercices, ce qui veut dire qu'il va falloir faire les 4 une première fois, puis une seconde. Après ça, après ce premier Tabata, on a une minute de pause et on partira sur le second Tabata. Second Tabata, l'exercice qui ne changera pas, c'est le dips. Donc les dips sur la chaise. Derrière, montée de genoux avec des coups de poing. Troisième exercice, la planche avec les bras fléchis à 90 degrés. Et enfin, du tipping, donc des petits pas sur place, avec du travail du percut. Je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc, les dips. On peut venir s'asseoir sur le rebord de la chaise ou éventuellement du canapé hein, s'il n'est pas trop mou. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis de profil et la chaise est ne retenue par rien. Si vous avez la possibilité, placez-la contre un mur, contre le canapé pour éviter que ça puisse glisser si jamais vous avez du parquet ou du carrelage chez vous. Normalement, c'est pas censé glisser. Si de toute façon, tu places tes mains juste sous les épaules. La version facile, on va placer nos talons sous les genoux et on va venir fléchir les bras ici en longeant la chaise. On descend à 90 degrés puis on repousse. Si tu es à l'aise là-dessus, n'hésite pas alors à tendre les jambes. On aura un peu plus de poids à soulever. Donc cet exercice, ce sera le premier sur le premier, enfin, ce sera le premier exercice sur chaque Tabata. Deuxième exercice, donc le handstand. Je vais vous montrer l'équilibre au mur. Vous aurez deux possibilités. Ici, je vais me placer en équilibre contre le mur, poser mes mains au sol, envoyer une jambe, puis l'autre. Évidemment, c'est un exercice pour ceux qui sont aguerris. On n'est pas relâché ici. On va venir repousser le sol avec les épaules et regarder de l'autre côté. Si on est capable de faire cet exercice, et que chez soi, on a un mur sur lequel on ne va pas, peut-être pas tout salir, on peut quand même faire l'équilibre de l'autre côté. Donc de l'autre côté, ça va se passer comme ceci, je démarre dos au mur, et je vais me placer ici. Si je suis à l'aise, je recule,
ou plutôt je me rapproche du mur. Attention à ne pas creuser son dos. Pour redescendre, je marche sur les mains et je repose les pieds au sol. N'oubliez pas de rentrer votre t-shirt, sinon vous ne verrez plus rien en bas. Si je ne peux pas faire ni la première ni la seconde option, il m'en reste une dernière à vous proposer. Les pieds soit sur le canapé ou sur la chaise. Donc je vais me placer ici, mettre un pied sur la chaise, puis l'autre. À partir de là, je vais venir rapprocher mes mains de la chaise pour me placer quasiment perpendiculaire. Et de là, il faudra tenir bien sûr les 20 secondes. Donc ça, c'était pour le handstand hold. Troisième exercice, les squat jumps. On vous a déjà présenté les squats il y a quelques jours avec Quentin. On vient descendre sur une flexion complète en gardant les pieds à plat. Donc talons sous les hanches, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Je recule mon bassin et je descends en ouvrant les genoux. Puis je remonte. Squat jump, même travail, sauf qu'ici je viens décoller. D'accord ? Je marque bien mon extension de hanche quand je suis là-haut, avec les abdos serrés bien sûr. Dernier exercice, le squat hold. Squat et maintien. Je ne suis pas écrasé en bas, j'ai toujours de la tension ici dans les cuisses. 20 secondes de maintien. On répète une deuxième fois et on aura terminé le premier Tabata. Deuxième Tabata, de nouveau les dips. Deuxième exercice, les montées de genoux avec des coups de poing. Je me mets légèrement de profil et on envoie. Bras et genoux opposés, d'accord ? Lorsque je frappe avec mon bras droit, c'est mon genou gauche qui se lève, ici. Et à l'inverse, pareil. On reste sur les pointes de pied, c'est important pour maintenir l'effort continu. Troisième exercice, la planche. La planche, mais cette fois-ci avec les bras à 90 degrés. Donc, je vais me mettre par ici. À partir de là, je vais descendre comme si je faisais une pompe. Jusqu'à 90 degrés. Mes bras sont à 90 degrés. Si j'en ai la possibilité, je tiens. Si je ne peux pas, je préfère composer les genoux. D'accord ? Évitez de me faire ce genre d'exercice, surtout avec les coudes qui partent sur les côtés. D'accord ? Toujours les épaules en avant, serre mes abdos et fessiers. Genoux au sol si besoin. Le dernier exercice, les uppercuts. On va avoir un travail d'uppercut et de tipping. Donc c'est un petit travail d'appui au sol. Et ici, je vais venir frapper comme sur des uppercuts. Si vous connaissez la boxe, uppercut, c'est un coup de poing qui remonte sous le menton, d'accord, comme ceci. Et de là, on va travailler. Donc ici, en cycle, et en essayant d'allier le travail des jambes. Légèrement penché en avant, les abdos bien serrés, et je frappe en remontant, d'accord, comme si j'étais au corps à corps avec un adversaire. À la vitesse, évidemment, que vous souhaitez. D'accord ? Je te laisse te préparer pour le WOD. Bois un petit coup avant d'attaquer, je prépare mon matériel et on y va. C'est bon, j'ai préparé mon matériel, j'ai préparé le chrono. Donc, intervalle de 20 secondes avec 10 secondes de pause. 8 consécutifs, 1 minute de pause, on fait ça 4 fois. D'accord ? En variant un Tabata sur 2 comme je vous ai expliqué. Allez, c'est parti. 10 secondes avant de démarrer. On commence avec les dips sur la chaise. Donc je m'installe. 2, 1, c'est parti. Pense à expirer en descendant, expire en repoussant. Pour l'instant, c'est le début, alors c'est easy. Je vais essayer de garder le sourire tout le long, mais ça ne va pas être facile. Ok. Deuxième exercice, on passe au handstand hold. Donc moi, je vais me placer contre le mur aujourd'hui, enfin pour ce premier tour, et après, on verra. Parler la tête en bas, ça m'arrive souvent. Ah, mais je pensais jamais le faire sur une caméra. Devant une caméra plutôt. Là, c'est pas cool par contre parce que moi, je vois pas le temps. Alors, du coup, je vais devoir prendre mon mal en patience. On garde les abdos serrés, bien sûr, là-dessus. Ok. On passe aux jambes. Squat jump. 3, 2, 1. C'est parti. On est explosif. Ça
5 secondes. Ok. Squat hold. Secoue un peu les jambes. Hein. Premier tour, ça va. 2, 1. Maintien. Ça chauffe déjà un peu. J'espère que chez vous, ça chauffe aussi. On maintient la tension dans les cuisses, hein, comme on a dit. Les pieds à plat. Ok. On est reparti. Donc, deuxième partie, on répète les quatre exercices. En commençant par les dips. Concentré. 5 secondes. Ok. Maintien en équilibre contre le mur. Je vais quand même vous montrer la deuxième option. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'est parti. Jambes tendues si possible. Bras tendus également. Ok. On passe sur les jambes de nouveau. 2, 1, go. L'extension à haut. Yes! Dernier. Après ça, on aura une pause d'une minute. Bien mérité. C'est parti. On respire bien. Tu vas voir, il n'y aura pas de coupure dans la caméra. Donc, je vais faire la séance avec toi en entier. Même pendant la pause, je serai là. Attention à maintenir la tension dans les cuisses. Les genoux ouverts, le dos droit. Ok, une minute de pause. On respire à fond, on s'oxygène. Pense à t'hydrater un petit coup. Je suis pas bon élève là, j'ai pas pris ma gourde. Tant pis, elle est trop longue. Donc là, on a déjà eu 10 secondes. Il y aura de nouveau 20 secondes, puis 10, puis 20. Ce qui va nous donner 1 minute 10 de pause, pardon. Et non pas 1 minute. C'est pas grave. On repart dans 30 secondes du coup. Je reçois même des SMS, c'est génial. Prêt à repartir, donc deuxième partie. Les dips de nouveau. Montée de genoux, coup de poing en direct. Troisième partie, planche 90 degrés. Tipping plus uppercut, quatrième exercice. Allez, en place. 3, 2, 1, go! Toujours le smile. Trois secondes. Yes, on va jusqu'au bout, toujours. Allez, on attaque les montées de genoux avec les coups de poing. Dédicace au cardio box. 2, 1, c'est parti. On garde le buste bien droit. Tu peux relâcher les mains, c'est pas un souci. Essaye toujours de partir du menton quand même. Ok, cool. Respire, tu dois récupérer pendant les 10 secondes. On repart en planche, bras 90. C'est parti. Ça, c'est pas l'exercice le plus facile. Avec l'équilibre sur les mains, je pense que c'est le plus dur du Tabata.
On serre bien les fessiers. On maintient la tension. Ok. Attention à ne pas être trop bas hein, sur la planche. 3, 2, 1. Allez. N'oubliez pas, ça remonte. Ok. Ça chauffe un peu dans les biceps quand même. Pas facile de travailler les biceps à la maison quand on n'a pas de matériel. Allez, on est reparti pour les dips. Yes. Impec. On relâche les bras, les épaules. Et on repart. Allez, bien grand. Ok. Au sol. Degrés. Donc, comme je disais tout à l'heure, pas trop bas, sinon tu bosses pas. Maintiens la tension dans les épaules, dans les cuisses et surtout dans les triceps. Ok, dernier iso. Après, c'est la pause. Uppercut, allez. Travail cyclique. On remonte sous le menton. Yes. Une 10 de récup du coup. Tu récupères, tu t'hydrates, comme tout à l'heure. On est à la moitié de la séance. Enfin, du wod. On repart dans 40 secondes, du coup. C'est une bonne petite séance. Allez, 30 secondes. On se remotive pour la deuxième partie. Donc on recommence là tout ce qu'on a fait. Les dips, handstand, équilibre, les squat jump, les squats, hold. On reprend avec les dips. Dans 10 secondes. Allez, on commence à s'installer. Allez, si tu étais à l'aise au premier tour, tu peux accélérer. C'est parti. Secondes. Ok, nickel. L'équilibre contre le mur ou sur la chaise. Comme tout à l'heure, tu choisis ton option. 2, 1. On y va. Les jambes serrées, où que tu sois. Abdos et fessiers également. On part sur les squat jump. 2, 1, go! Tu décolles. Un max.
Yes. Maintien du squat. Pour les bonnes cuisses. 2, 1, on s'installe. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est mon moment de repos, ça. Ça fait du bien. Yes. C'est reparti. Dernier passage sur ces quatre exercices, sauf les dips, tu le sais. Et c'est reparti. Go! C'est toujours pareil, hein. Chacun a son rythme évidemment. Tu n'es pas obligé de me suivre, tu peux même aller plus vite. Allez, go! Allez, retrouve du cardio là-dessus. Respire profondément, active sur les épaules. Je me parle à moi-même aussi. Yes! La seconde, ça reste assez court hein, quand même. Donc il faut mettre de l'intensité. Les squat jumps. Allez. Donne tout ce que tu as. L'extension de hanche. Impec. Et le dernier pour bien finir, squat hold, 3, on s'installe et on y va. Derrière on est en pause, tu le sais, attention au dos, ne t'écroule pas, reste solide, stable. On est bien sur les appuis, genoux ouverts, on bombe le torse, les bras devant, travaillez les épaules. Impec. Une 10 de pause et on attaque le dernier round. T'es concentré sur ta récup, c'est le dernier tour, il va falloir envoyer. Quel que soit votre niveau, ce type de séance, c'est censé être difficile. D'accord? Parce que tu vas te donner à fond. Secondes. Et quoi qu'il arrive, il y a 2 semaines. C'est comme dans la vie. En ce moment, c'est une situation pas facile à gérer pour tout le monde. Il faut garder le smile. On repart avec les dips sur la chaise. Dans 10 secondes. On s'installe. Allez, il nous reste 2 séries de 20 secondes de dips. Ça passe. Go! Ok. Good. Allez, montez le genou, point, cardio explosif. T'es fort, dans la tête, toujours. Allez. Trois secondes. Yes, relâche les bras. On passe au sol. Abdos fessiers, cuisses serrées. Toujours le smile. Et ça tremble pour moi aussi, je te rassure. Je suis humain.
Mais on lâche pas. Non. Là, mais on lâche. 3 secondes, on percute. Prêt? Go. Allez. En cycle. Les pieds rapides. Ok, dernier tour. Les dips, go. Attention, dans 10 secondes, je vais me tromper. Ne partez pas au sol, mais bien sur les montées de genoux avec coup de poing. Nickel. Allez, au sol. Le maintien, le plus dur, forcément pour la fin. Go! Et toujours le smile. Même si c'est dur. T'as envie d'arrêter, moi aussi. Mais on lâche pas. Tu dois te prouver à toi-même que tu peux. Impec. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. C'était les montées de genoux. Tant pis, c'est en live. Allez, on y va. Tant pis, je me suis trompé. J'espère que tu ne tromperas pas à la maison. Allez, hypercute. Allez, au revoir, au revoir, au revoir. Huit. Accélère si tu peux. Ok, super. Good. Garde au moins une minute de récup pour la fin. Désolé de m'être trompé. Manque de lucidité. Mais on a été jusqu'au bout. On a fait tous les exercices. Il nous reste un rôtissoir. 5 minutes de gainage en alternant les 4 faces. Comme un petit rôti. On va remettre le chrono. Si tu as besoin, t'appuies sur pause dans la vidéo. Il n'y a pas de souci. Si tu as besoin d'une pause plus longue, notamment pour t'hydrater. Mais là, on va enchaîner. 5 minutes non-stop, comme j'ai dit. 15 secondes par face. On prend son petit tapis. On va se mettre là. Et on est prêt à partir. Allez, 10 secondes. Tac. T'es comme dans le canapé. Les épaules, ça chauffe. Les bras aussi. On va se mettre sur les coudes. On commence de face. Allez. Donc on aspire le nombril, on serre les fessiers. On veut le bassin en rétroversion. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, j'essaie de traduire un maximum, mais là, Google est ton ami. Rentre le nombril, serre les fessiers. Ton bassin va se placer tout seul. On tourne. Donc toutes les 15 secondes, on tourne, évidemment. Les nages latérales sur le coude. Si tu ne veux pas glisser, tu places bien ton coude sous ton épaule. Sans lâcher. On tourne ici. J'étais nul, je n'ai pas anticipé le placement du tapis, c'est pas grave. Hop. Olé. Donc coude sous l'épaule comme j'ai dit tout à l'heure, pour éviter de glisser. Pas trouver d'excuses. Allez, on repasse de face. Cette fois j'anticipe. Tac. On attaque la minute numéro 2.
La respiration reste importante ici. Essayez de vous décontracter, au moins au niveau de la tête. Tac, on tourne. Faites pas comme moi, placez votre tapis, je le dirai certainement avant en commentaire, de placer son tapis perpendiculaire à soi. Tac, sans poser les fesses. On serre fort les fessiers, hein, si on veut pas que tes fesses traînent par terre. Allez. On respire bien. Ça va le faire. C'est le moment où on transpire le plus, sur la fin comme ça. Yes. Troisième tour qui démarre. Toujours les épaules au-dessus des coudes. Ça tourne. L'autre main en l'air si tu veux. On l'avait déjà fait hein, il y a quelques jours. Tourne. Sans poser. Tout cet exercice, il peut aussi être fait sur les mains, évidemment. Tourne. J'espère que comme moi, t'as pas lâché depuis le début. Yes, c'est reparti. Quatrième. En respirant. Voilà. On est quasiment à la fin. Quasi. J'espère que tes épaules chauffent bien. Après tous les dips qu'on a fait, le maintien. Ça tourne. Secondes. Ça va aller. Allez. Après ça, il restera un tour, c'est tout. Facile. Yes. Hop. Dernier tour du coup, je vérifie, on est bien. 5 fois 4, 20. On est à 17, impec. Ça tourne. Allez. Dernier passage sur chaque face. Si tu n'as encore pas lâché, tiens bon. Si tu as lâché, c'est pas grave, reprends. Allez. Dernier côté. Yes, c'est bon. Bravo. Je t'applaudis, même si j'ai pas vu ce que tu as fait. En tout cas, je m'applaudis. Bien joué. Merci de m'avoir accompagné sur cette séance. J'espère que ça vous a plu. Je la ferai pas toujours avec vous. Hop, toi tu t'es. Jack, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était cool. J'espère avoir vos retours en commentaire, en photo, en vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne, du coup, si tu veux recevoir une notification à chaque fois que je vais poster une vidéo, là, quotidiennement. N'hésite pas à mettre un petit pouce aussi pour dire si tu as bien aimé la vidéo ou pas. Ça fait toujours plaisir. Donc là, eh ben, je vous retrouve demain, tout simplement, avec une nouvelle vidéo, nouveaux exercices. Pense à bien t'hydrater en post-séance, tu n'es pas obligé de t'étirer juste après, tu peux le faire demain ou au moins dans 3 heures si comme moi tu es à la maison et que bah, du coup tu t'entraînes le matin, tu peux le faire dans l'après-midi, c'est cool aussi avec une petite marche si tu peux sortir quelques minutes, d'accord, pas trop longtemps et surtout pas en groupe bien évidemment.
J'ai rien d'autre à dire, alors bon courage pour le reste de ta journée, si tu fais ça en début de journée. Bonne soirée si c'est la fin de journée. J'espère que les exercices de boxe t'ont plu. N'hésite pas à me le dire, parce que j'aimerais bien en mettre au moins une fois par semaine. J'ai fait beaucoup de boxe, donc beaucoup de boxe et surtout beaucoup de kung fu. Donc voilà, si ça te plaît, j'en remettrai. N'hésite pas à me le dire, c'est cool. Donc si t'aimes les uppercuts, so you can... à bientôt. Ciao.